Bonjour tout le monde, c'est le temps pour un peu d'histoire assassin. La première civilisation développée qui a gouverné le territoire d'Alsace ont été les Romains en premier siècle. En sixième siècle, le territoire a devenu en partie du royaume franc, qui a été moins développé que les Romains. Mais cette culture a attendu le christianisme à ce territoire. En onzième siècle, les Ottoniens, la famille royale allemande, a conquis l'Alsace et pendant leur gouvernement, beaucoup de catastrophes ont frappé l'Alsace. Par exemple, la mauvaise récolte ou le pogrom juif. En XVe siècle, les Allemands ont vendu le nord d'Alsace à Autrichiens. En 1789, l'Alsace a participé à la Révolution en France et a fourni les troupes de Napoléon. En 1871, l'Alsace a devenu en partie d'Allemagne. Quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, le territoire a retourné en France. Mais les nazis ont occupé l'Alsace encore une fois. Et finalement, ce territoire a été libéré par les Américains. Aujourd'hui, l'Alsace est français et ce n'est pas seulement important pour la France, mais pour l'Europe aussi, parce qu'il y a beaucoup d'institutions significantes. C'était un peu d'histoire alsacienne. Merci pour votre attention et au revoir.